expliquer un peu ce qu'est le rapport Braza et comment donc on est arrivé, enfin le passager clandestin le republie en mars là après une éclipse, le publie pardon en mars après une éclipse qui date de pratique de plus d'un siècle. Donc ça c'est un peu notre coup éditorial du mois de mars. On aura peut-être un autre au mois d'avril. Donc le rapport Braza c'est un. Il faut que je passe de l'ère Afrique du Sud à l'ère Afrique équatoriale française. Donc Afrique équatoriale française à l'époque, donc c'est le nom que donnait la France à ses possessions en Afrique au sud de l'équateur. Donc c'est Congo, actuel Congo Brazzaville, le Lubangui-Chari qui est aujourd'hui la Centrafrique, je pense que vous avez tous entendu parler de la Centrafrique ces derniers temps, le Gabon, une partie du Cameroun, et puis en territoire militaire, le Tchad. Donc on est à la zone de contact de tous les enjeux militaro diplomatico-économique du moment. L'intervention au Mali, c'est au nord de cette, immédiatement au nord de cette zone-là. L'intervention en Libye, c'est la partie des, qu'on appelait à l'époque des sultanats, donc on est vraiment dans la continuité géographique. Et l'intervention en Centrafrique, c'est le cœur de cette Afrique équatoriale française. Et donc ça fait partie des possessions françaises qui font partie de ce qu'on a appelé lors de la conférence de Berlin le bassin du Congo. Et le bassin du Congo, c'est donc la zone de fleuves, Congo, Ogoué, Ubangui-Chari, etc., qui permettait le transport de toutes les matières premières qui étaient exploitées par l'État indépendant du Congo, donc la Belgique, Congo-Kinshasa, donc, on appelle ça comment aujourd'hui Zahir, Congo, l'ancien Zahir, Congo-Kinshasa. La République démocratique du Congo aujourd'hui. Le Congo français, Congo-Brazzaville, et la région de Centrafrique, et la région du Cameroun, et puis même la zone sud du Nigeria, où étaient présents les Anglais à l'époque. Donc c'est une zone stratégique et économique très importante, parce qu'il y a là des zones de circulation fluviale qui permettent le transport du caoutchouc, de l'ivoire. On n'est pas encore dans l'exploitation des ressources du sous-sol, mais des matières premières tirées de la décolonisation européenne de la région. Donc je vais un peu plus en amont, mais je vous ai parlé tout à l'heure de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin en 1885, c'est un moment où les États européens. La liste est assez longue, et ça va jusqu'à la Turquie, jusqu'à l'Empire ottoman, qui est à l'époque l'un des protagonistes de cette occupation du sol africain, s'entendent à la fois pour se répartir les différentes zones géographiques d'Afrique et pour déterminer des zones de libre commerce dans cette région-là. Donc on est vraiment dans la période du pré-capitalisme européen, où la condition de base de coexistence des États européens sur la région africaine, c'est de faire en sorte que n'importe quel État puisse circuler dans tous les pays de la région du bassin du Congo, qui est cette région économiquement stratégique. Et l'une des clauses de la conférence de Berlin, c'est de dire que tout État européen, toute puissance européenne, qui ne serait pas capable de garantir la sécurité de circulation des autres puissances économiques dans la région, pourrait faire l'objet d'une remise en cause de sa tutelle sur les territoires en question. Je remonte là parce que vous allez comprendre. En 1903, je crois, commence à éclater, donc, dans le cas de la Belgique et de l'État indépendant du Congo, un scandale qu'un journaliste anglais qui s'appelait Edmund Morel, qui a lui aussi ses intérêts dans l'affaire, parce que en gros, il fait une campagne contre l'État indépendant du Congo, mais au nom de l'Angleterre, dénonce comme le scandale du caoutchouc rouge, donc exploitation par les compagnies concessionnaires à qui on a attribué l'exploitation des ressources du sol dans l'État indépendant du Congo, des matières premières du sol, mais aussi des ressources humaines,
comme on dirait aujourd'hui, du territoire concerné par les mises en œuvre de travail forcé, de collecte des impôts excessives, et puis de matage des rébellions dans le sang. L'histoire du Congo, de l'État indépendant du Congo, je la connais assez mal, mais elle est encore plus sanglante que celle du Congo français. C'est vraiment un épisode tragique de l'histoire coloniale. C'est des centaines de milliers de personnes vouées au massacre. Ce scandale-là commence à avoir des répercussions dans la presse européenne en 1903. Et donc la France regarde avec une certaine concupiscence l'État indépendant du Congo en se disant « Si la Belgique, si le roi Léopold est en porte-à-faux sur son propre territoire, il y a peut-être moyen de se grappiller cette partie du territoire pour le faire entrer dans le giron français. » Mais malheureusement, au même moment, éclate un petit scandale en comparaison de ce qui se passe au Congo belge, mais enfin qui est quand même un épisode tragique. Hier soir, on était dans une soirée où on présentait le rapport Brazza avec l'historienne Catherine Kokrividrovitch qui fait le travail de présentation du texte, et elle rappelait cet épisode d'un 14 juillet 1904, où un certain nombre de petits fonctionnaires de l'administration coloniale ont eu l'excellente idée de fêter le 14 juillet en introduisant dans l'anus d'un des sauvages locaux un bâton de dynamite et en le faisant exploser en place publique. Ça a explosé dans tous les sens du terme, puisque alors qu'il se passe déjà ce type de pratique, elle est quand même relativement monnaie courante, même si là on est dans un cas un peu extrême. Celle-ci remonte aux oreilles de la presse européenne et relayée par un certain nombre d'articles de presse, et donc du coup place la France dans une position un peu ambiguë, parce qu'elle commençait à regarder l'État indépendant du Congo, mais elle est elle-même remise en cause dans sa gestion administrative du Congo français. Et donc face aux polémiques qui sont alimentées par les autres puissances les unes vis-à-vis des autres, la France se sent sommée d'envoyer sur place une mission d'inspection dont la charge est en gros d'aller vérifier que tout se passe bien. Le cas Goetoke est un épiphénomène dans une gestion par ailleurs idéale de cet État congolais. Et le gouvernement français de l'époque a l'idée saugrenue d'envoyer sur place Pierre Savornian de Brazza. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, je teste toujours le truc, parce que les Congolais eux-mêmes connaissent très très bien Pierre Savornian de Brazza aujourd'hui, mais quand j'en parle en France, je me rends compte qu'en fait c'est pas un personnage très très connu. Pourtant à l'époque c'était le grand explorateur qui avait, en remontant le fleuve Ogoué, puis ensuite le fleuve Congo en 1878, 84 et 92, planter le drapeau français sur cette zone géographique, et plus ou moins au nom des valeurs républicaines, en libérant dans la légende dorée les populations esclaves des tribus littorales, émanciper une partie des Congolais et finalement introduire les premiers jalons de l'administration française de la région. Et il va d'ailleurs être le premier gouverneur, on appelait ça commissaire général à l'époque, du Congo français, qui va devenir l'Afrique équatoriale française jusqu'en 98. Et donc en 1905, le gouvernement français envoie Savornian de Brazza faire cette fameuse mission d'inspection, en oubliant complètement que Savornian de Brazza est un humaniste. C'est quelqu'un qui n'est pas sans reproche, mais il a quand même une certaine conception de la colonisation. Au regard des critères d'aujourd'hui, ça poserait un certain nombre de problèmes, mais par rapport à l'époque, il était plutôt progressiste, quoi. Il y allait moins pour apporter des richesses et un nouveau territoire à la France que pour entrer en contact avec des populations et proposer l'idéal des Lumières aux indigènes locaux. Donc ils envoient Savornian de Brazza avec une petite équipe d'une quinzaine d'inspecteurs. Ils vont passer 5 mois sur place. Ils vont interroger les fonctionnaires de l'administration française, les agents des sociétés concessionnaires qui occupent 80% du territoire et qui exploitent les ressources du sol, les populations locales, et réunir une masse absolument considérable de documents qui sont censés donner lieu ensuite à un rapport de synthèse qui ferait l'objet d'une discussion, mais qui était quand même dans les instructions secrètes qu'on publie en annexe du livre, censé exonérer la France de son comportement sur place.
Et, sauf que Brazza fait vraiment son travail et revient avec des informations qui incriminent directement non seulement l'administration française, mais la dévolution, le partenariat public-privé de l'époque accordé aux concessions d'exploitation du caoutchouc, qui ont droit de police et de levée d'impôts sur les populations dont elles ont l'administration, qui exploitent ces populations-là au profit de leur propre production de caoutchouc, d'ivoire, etc. Enfin bon, je passe les détails. Mais lui revient avec toutes ces informations-là. Le côté un petit peu mystérieux ou intéressant de l'histoire, c'est que, et en même temps tragique, c'est que Savonarole Brazza est atteint de dysenterie. Donc sur le voyage du retour, il tombe malade, il est obligé de faire escale à Dakar et il va mourir à Dakar. Dans les mois qui suivent, c'est la date de sa mort, c'est 1905, septembre 1905, je crois, et c'est la date de remontée de la mission. Mais il a quand même le temps de confier tous ses documents. Il a eu l'intelligence d'écrire un certain nombre de lettres à la presse française parce qu'il sentait que, notamment, le gouverneur Gentil, Port-Gentil, c'est une des villes de la région. Brazzaville aussi, d'ailleurs. Les colonisateurs ont donné leur nom aux centres urbains locaux. Mais Port-Gentil, c'est le nom du commissaire Gentil qui était là-bas à l'époque et qui sentait que son autorité sur le territoire pouvait être entravée. Donc, il a vraiment fait obstacle au bon développement de la mission. Brazza, sentant ça, et sachant que Gentil avait la protection de l'administration coloniale dans son intégralité, envoie des lettres qui vont fuiter dans la presse. Donc on sait, à travers ces publications, à travers ces différents moments d'évanescence des informations, que son observation sur place est à charge. Mais, il rentre, il confie ses documents à son second, au Roi des Ruisseaux, qui va essayer de défendre sa cause, mais il n'a pas le prestige, il n'a pas l'autorité de Brazza. Malgré tout, les documents sont là, donc l'État français est obligé de constituer une commission ad hoc, entièrement composée de fonctionnaires coloniaux, et qui vont essayer de produire un rapport de synthèse, puisant dans tous ces documents, en réinterviewant, en réinterrogeant tous les membres de la mission. Et c'est là que les institutions républicaines peuvent être étonnantes. Ils font vraiment leur travail. C'est-à-dire que le rapport de synthèse est assez fidèle à la réalité de ce qui a pu être observé par la mission Brazza sur le terrain. Sauf que quand même, ils essayent d'exonérer Gentil et l'administration française. Les personnes sont protégées. Mais le système apparaît de manière criante dans le rapport de synthèse qui est prévu. Tellement criante que, du coup, ça met la France en porte-à-faux dans ses relations avec les autres puissances. Donc ça, malgré les demandes répétées de parlementaires, de gens comme Jaurès, notamment, Francis de Pressensé, qui était le président de la Ligue des droits de l'homme de l'époque, et aussi des compagnies concessionnaires qui se sentent incriminées et qui veulent prendre connaissance du rapport final. Malgré tout ça, la décision est prise en 1907 de classer le rapport très confidentiel. Et alors on publie en annexe le petit arrêté qui dit un exemplaire remis au ministre et 10 exemplaires dans les coffres-forts de la République. Coffres-forts de la République. Et le rapport disparaît complètement. Il y a quelques journalistes, notamment le journal Humanité avec Jaurès, qui jusqu'en 1909 réclame la publication de ce document, mais il sera jamais publié. Et alors, moi, c'est un document dont j'ai entendu parler dans une discussion avec Serge Latouche, qui dirige la collection des précurseurs de la décroissance chez nous. Il évoque cette mission dont j'avais pas entendu parler. Je vais faire un petit travail de documentation préliminaire. J'essaie de me renseigner sur ce rapport. Puis j'entends parler par des historiens, des biographes de Brazza, par des intellectuels, des journalistes européens, africains, du rapport disparu, du rapport détruit, du rapport dont les autorités françaises actuelles interdiraient encore la consultation. En gros, si je m'en étais tenu à ces quelques informations reçues, la recherche se serait avérée vaine. Mais bon, par opiniâtreté, puis parce que quand même le parfum de mystère qui planait autour de l'affaire la rendait quand même intéressante. Et avec l'aide des quelques conservateurs d'archives nationales, Sénat, archives de l'Assemblée nationale, etc., j'ai pu localiser le document qui se trouvait
aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence. Et j'ai découvert que ce document avait déjà été consulté par Catherine Cochry-Widerwich en 1966, d'où l'appel qu'on lui a fait pour le présenter. Mais alors, je m'égare un petit peu, mais juste pour dire, et pour revenir à cette question de la profondeur historique, c'est que l'interdiction gouvernementale de l'époque a empêché les contemporains d'accéder au rapport, mais c'est l'intériorisation de cette interdiction par les historiens, donc ceux-là même qui étaient a priori les plus intéressés à en prendre connaissance, qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on le publie, ce document, qui est vraiment un document central pour comprendre pas seulement les enjeux coloniaux de la région, mais les enjeux du rapport qu'entretenaient les puissances européennes avec leurs colonies à l'époque, n'a pas été connu jusqu'au moment. Ce qui est dans la préface, c'est que jusqu'à la publication, il a été consulté 5 fois. Donc entre 1909 et 2013, 2014, et voilà, 2011, 2011, il a été consulté 5 fois. Ouais. Donc la dernière apparemment par la préfacière en 1969. Donc la dernière, c'est aussi la préfacière parce qu'elle est retournée consulter. Ouais. Alors juste en archive, on découvre le rapport de 115 pages et une liasse de 2000 pages de documents qui sont toutes les pièces constituées par la mission Braza. Donc c'est pas juste le rapport lui-même, c'est tout ce qui a permis d'établir le rapport. On tombe sur un trésor de guerre absolument incroyable. Des documents donc, qui sont chiffonnés, qui sont même pas classés. Enfin, moi, j'y ai passé 2 heures, donc pas beaucoup plus. Et je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais j'y ai passé 2 heures à faire des photographies, des pièces qui me semblaient intéressantes. Et je photographiais tout, parce qu'il y avait des lettres de la main de Braza, des comptes rendus de la commission qui ont établi le rapport, les documents de classement confidentiel. Enfin, une mine d'or, quand on est un peu passionné d'histoire, il y a quoi faire, des choses hallucinantes à partir de ça. Et donc, Catherine, quand il y est retourné en 2013, comme on était deux à l'avoir consulté entre-temps, les archivistes avaient eu la puce à l'oreille et avaient tout reclassé le document. Donc là, on retrouvait, elle me disait ça hier soir, elle a retrouvé le document dans son intégralité, dans des chemises bien, bien classées, toutes récentes de toute évidence, avec des entêtes, les comptes rendus de la commission, les rapports intermédiaires, etc. Et pour juste dire le type de rapport à notre mémoire coloniale et à notre passé colonial qui illustre le fait qu'on n'ait pas encore pris la peine de publier ce genre de documents, c'est Fred, tu racontais, après avoir discuté avec l'une des conservatrices dont on terra le nom par charité des archives nationales. Moi, je l'ai appelée très naïvement en pensant qu'elle allait être tellement heureuse qu'on ait publié ce rapport, qui était chez elle, et voilà. Et il se trouve qu'ils ont fait un assez beau site sur Braza, et même dans ce site internet-là, il y a vraiment écrit que le rapport de sa dernière mission a disparu, etc. Et donc très naïvement, je lui disais, bah, maintenant qu'on l'a publié, peut-être que sur le site, vous pourriez changer juste ce truc-là, de dire que non, il n'avait pas disparu, et en plus, il est publié aux éditions de Passager Clandestin. Et effectivement, j'ai entendu une dame me dire... c'est très à la mode de dire du mal de la colonisation. Moi, je pense qu'on peut laisser reposer Braza en paix. Alors, moi, il ne semblait pas qu'on avait dérangé ses sens, mais voilà. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas signaler toutes les publications des gens qui viennent regarder des choses dans nos archives. D'ailleurs, je trouve que vous le présentez d'une façon bizarre, parce qu'on ne l'avait pas caché, hein, le rapport. Voilà, on n'a jamais empêché qui que ce soit de le regarder, et voilà. Et en fait, c'est véritablement le travail qu'on a fait sur la publication qui les a amenés à prendre conscience qu'ils avaient chez eux un document important et à le reclasser, quoi. Et effectivement, cette réaction, bon, peut-être que c'est une réaction d'une personne isolée dans. Non, elle a été confirmée par son directeur, parce que moi, j'avais demandé. Mais j'en ai parlé à Catherine hier et elle confirmait que c'était le type de réaction auquel on pouvait s'attendre. Et bon, alors, faire un peu notre pub, l'objet de ce type de collection, du rapport Braza, mais de la collection des transparents, plus généralement de ce qu'on essaie de faire, c'est de se donner la peine de juger sur pièce, plutôt que d'avoir des discussions sans fin sur... à travers ce type de document, n'importe qui de bonne volonté, et on fait un travail d'établissement du texte. C'est vrai que c'est des documents qui peuvent être un peu exigeants, mais alors Catherine fait ses paragraphes introductifs,
On a essayé de faire un montage de documents qui le rendent un peu dynamique, qui sortent un peu du... Je disais tout à l'heure du côté un peu procédural. Procédural, mais avec les explications en tête de chapitre et les différentes et pièces, on comprend bien les tenants et les aboutissants. Et en le lisant, on se donne une chance de... Ne serait-ce qu'en faisant un peu de preuve d'empathie et puis de familiarité avec l'histoire, d'accéder de manière très très directe aux logiques et aux représentations de l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il faille se priver du travail d'analyse a posteriori qu'on fait avec beaucoup de mérite les historiens après coup, mais c'est complémentaire. Et si on n'a pas ces sources-là, je pense qu'on se prive d'un élément et d'une pièce essentielle au dossier de la discussion qui peut donner lieu aux aberrations qu'on a connues en 2005 sur les lois mémorielles censées reconnaître l'apport positif de la colonisation française, sans plus de débat, sans même se poser la question de ce qu'était réellement l'interaction à l'œuvre entre l'Europe et, en l'occurrence, l'Afrique à l'époque. Quoi. Donc pouvoir juger à partir de documents originaux, ça me semble plus intéressant que de parler dans le vide. Et donc si, bon.